Il y a toujours des gens qui viennent après moi. Alors, je suis désolé, il y a eu les fêtes, après j'étais en ma veloute et il y a eu un loupé la semaine dernière. Donc, on reprend seulement maintenant. Je vous signale que la semaine prochaine, c'est l'Alba au maire, donc je n'aurai pas cours. Alors, en plus, il y a le mariage de ma petite fille, donc je ne pourrais pas faire cours. Oui. Donc, on a rappelé que vous vous souvenez un petit peu. On a expliqué ce que c'était que le Yehuda qu'il y avait dans Kriyat Shema, qui était donc la révélation de Or Ein Sof dans Chochma d'Atzilut, et de là par le Yehuda avec Bina, cette révélation arrivée. C'est le Or Ein Sof arrivé dans Bina, et après ça arrivait dans les niveaux inférieurs, et c'est comme ça faisait tout le processus de la Tfila, qui faisait qu'on pouvait amener un Or Ein Sof dans ce monde. Et comment on l'avait expliqué, qu'est-ce que ça veut dire amener un Or Ein Sof dans le four de bronze? Ça veut dire faire en sorte que Dieu puisse changer la nature par l'intervention d'un niveau qui est au-dessus de la nature. Ça, c'est la quintessence de la tefila, d'accord? Et ça commence par Kriyat Shema, d'accord? Et donc, alors, on a dit les Eubrinatella velo. Vous vous rappelez qu'au début du texte, on avait dit que Bechol Korenu Elav, il y a un passage qui dit Kibik Hashem Elokeinu Bechol Korenu Elav, qui est comme l'éternel Dieu de chaque fois que l'on s'adresse à lui. Et les Chachamim m'ont expliqué dans le Midrash, et là, velo le Minotav, il faut s'adresser à Dieu et pas à ses attributs. On a vu déjà deux explications de ça. D'accord? Et il dit, ici, il dit, Ve'abshachazu, Yvrchechet, Alide, Prinat, Avad, Avad, chez Davka. Ou prédate à la main, le roi Mishachat aurait une sobre, mamash d'une Korah de Koula. Donc, et là, on a mis de temps, il donne une troisième explication ici, c'est que justement, par un amour de Dieu de Meodecha qui dépasse toute limite, là, on va faire en sorte de s'élever pour pouvoir s'adresser à Dieu lui-même, qui est la source de toute chose, d'accord? Je pense que le texte est un peu trop Comment? grand sur un écran. Quoi, il y a une question là? Non, le texte est beaucoup trop grand sur ton. Tu peux pas le rapetisser un peu? Oh, si, si, je peux, mais au contraire, vous le voyez mieux. Grand-mère, pourquoi as-tu un texte si grand? C'est pour que tu le vois mieux, mon enfant. Là, ça va? C'est mieux, mais c'est toujours en zoom. Un problème, c'est que je ne sais pas contrôler le pourcentage. Avec la nouvelle version de Un cran en Acrobat. dessous, je pense. Un cran en dessous. Quoi? Juste un peu plus petit. Alors, j'ai un peu plus grand, beaucoup plus grand. Là, c'est trop grand, beaucoup trop grand. Je ne peux pas contrôler. J'ai pas de moyen de C'est bon comme contrôler la ça. taille. Ok, Dans continue, c'est mieux. l'ancienne version d'Acrobat, il y avait un moyen. Là, il n'y a pas de moyen. Bon, je suis désolé. Alors, bon, d'accord. Donc, ça, c'était le fait de la tefila, d'arriver à partir du schéma, par le Yichud induit par le schéma, d'arriver jusqu'à ce monde-là. Ok, et le Yichud est particulièrement amené par le Ava de Bechol Meodera. Vézé, alors, comme c'est écrit dans le Kundra Sacharon, il y a un mamar qui commence par la ville Machekatou Befri Asraïm.
Et donc, voilà ce que dit le Maamar. Vilkar, kedele amshichor insof, baruchu le matin. C'est pour cela, pour amener la lumière illimitée de Dieu dans ce monde, yefshar beli ala mainouvin, milimata. C'est impossible de le faire sans faire monter d'abord les eaux féminines d'en bas, c'est-à-dire sans qu'il y ait une montée de l'homme vers Dieu. Vealaazu, et cette montée, Vealaatman, pardon, et oui, Vealaatman, Bemocho, Velibo, Shel Adam, et donc cette montée de vers Dieu doit se faire dans l'intellect et dans les sentiments de l'homme, ou Prinat, Rishpeesh, Bligvoul. Comment c'est cette montée? Lorsqu'il y a un amour brûlant sans limite. Venikra, et cet amour brûlant sans limite est appelé Meodekra. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le Pri Etzraïm. Kedé le horaire, Prinat, Einsof. Et donc, quand on a un amour sans limite pour Dieu, eh bien, ça révèle la force illimitée de Dieu, un niveau de Ensof, de l'illimité divin. Gvurot, et ça, c'est par les Gvurot du thème Sag, Shehen, En, Arapach, Nisusim, Roulé, Adkad, qui sont les 288 étincelles divines qui sont tombées dans le monde après la Shvirat HaKelim, comme tout le monde le sait. Fin de citation. Donc ça, c'est ce que dit le Pri Etzraïm, c'est de la Kabbalah pure. Là, on va l'expliquer à l'Pi Chassidut. Il est mais voir mi devarav, on comprend de ces paroles, Sheika a'alat ma'imnugvin, ou mi bechinat, Meodera. Donc, de ce qui est dit dans l'Esraïe, on comprend que le principal de la montée de Maïm vient du niveau de Meodera. Vilkar, c'est pour ça, quand on veut amener, on doit amener cette lumière de façon révélée dans les niveaux de Bria Yetzira. D'accord? On doit arriver à cette montée de Méodéra. Shekhen, non, pardon, mais Yadoua, Shekhen, Tsarich Liyot, Amshacha le Mata Mata, Mouchach Liyot, Amshacha, Mimokom. Donc, parce qu'il y a un principe qui est connu dans Kabbalah, qui est rapporté dans Chassidut, c'est que quand il y a on veut amener une force très haute, eh bien, et tout ce qui est plus haut descend plus bas. Donc, pour amener la force essentielle de Dieu, pour amener l'essence même de Dieu, il faut, pardon, pour amener une force dans ce monde-là, sans limite, il faut qu'elle vienne de Dieu lui-même, qui est le niveau le plus haut. Le niveau le plus haut est en relation avec le niveau le plus bas. Donc, pour amener un miracle dans ce monde, ce qui est la tfila demande un petit miracle, un miracle, ou un petit ou un grand miracle, il faut que Dieu lui-même opère cette chose-là. D'accord? C'est ça qu'il dit. Pour que la mshacha viennent au niveau le plus bas, on a besoin qu'elles proviennent d'un niveau très haut. Qui est Adoua, Meinyan, Ani, Velo, Malach, comme c'est connu sur le sujet de Ani, Velo, Malach, que quand Dieu a fait sortir les Juifs d'Égypte, c'était lui-même et pas un ange, etc. Béafalpi, Shatefila, Nikret, Meshem, et bien que la prière soit appelée la vie momentanée, Chayesha, c'est-à-dire la vie de ce monde,
Yetzira ou Malchut Azman. C'est parce que cette lumière qui arrive dans Bria Yetzira provient de Malchut Atzilut, qui est la source du temps. Vous savez que l'étude de la Torah est appelée Chaye Olam et la prière est appelée Chaye Shara. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, c'est un moyen de faire descendre le divin au niveau le plus haut ici, comme c'est expliqué dans le Tanya. Quand on étudie la Torah, il y a notre Chokhma qui se lie avec la Chokhma de Dieu, etc., une unité très grande, etc. Par contre, la prière est liée avec ce monde-là. Quand on prie, c'est pour ramener quelque chose dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a la fameuse phrase, je pense c'est dans la Gemara Brachot, qu'il y a quelqu'un qui a vu prier, un chacham qui a vu prier un homme, un autre chacham, et il lui a dit, est-ce qu'on laisse la vie éternelle pour la vie momentanée, Chayeshar? Donc c'est pour ça que la prière est appelée Chayeshar. Il dit pourquoi c'est Chayesha, la vie temporelle? Parce que cette Ahara, cette lumière qui va venir dans les mondes inférieurs, ça provient de Malchut d'Atsilut. Pourquoi de Malchut d'Atsilut et pas de Dieu lui-même? Pourquoi ça doit transiter par Malchut d'Atsilut? Parce que Malchut d'Atsilut, c'est la source du temps. Et pour que donc cette force divine essentielle s'inscrive dans le temps de ce monde, il faut qu'elle passe par Malchut d'Atzilut. Aval mikom akom, shoresh agilui ou meor ensof mamash. Mais malgré cela, bien que ça passe par Malchut d'Atzilut, la source de cette révélation est dans le or ensof mamash au niveau de l'essence. L'essentiel, l'essence de la lumière divine, comme on l'a dit précédemment, au niveau de Dieu lui-même. Chez Nimshar, et parce que c'est de là que c'est amené, parce que Dieu seul a la possibilité de changer le cours du monde, mais pour qu'il y ait ce changement, ça doit transiter par Malchut d'Atzilut pour que ça s'exprime dans les limites du temps et de l'espace. Donc, parce que c'est de ce Or Ein Sof que provient toute nouvelle lumière qui n'a jamais existé dans ce monde. Et dans la Tfila, on demande à Dieu de révéler quelque chose de nouveau. Qu'il comme c'est que nous on voit expliquer Gamken chez Kol Am Shachot Or Chadash, que toute la révélation d'une nouvelle lumière doit passer par l'essence de Dieu, l'essence du Matzil, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut être Mechadesh, faire quelque chose de nouveau, apporter une lumière nouvelle. Et comme on l'a dit, la Tfila demande une lumière nouvelle, puisqu'on demande de changer le cours de la nature. Ulfichar, Les Horeram Micham, c'est pour cela que pour éveiller une lumière de là-bas, ça a riot alat maim nugvim. Il faut qu'il y ait une montée des eaux féminines, c'est-à-dire du niveau inférieur, par une force de meodecha, c'est-à-dire qui dépasse toutes les limites d'Aïka. Comme on a dit, c'est un amour berishvehesh, un amour brûlant pour Dieu. Alma, dika man le horer miprinat ou alide Donc, il en résulte que le principal de la montée des eaux féminines pour réveiller le niveau du ensof, de l'illimité divin, ou à l'idée riche péhèche, c'est par comment dire, le feu brûlant de Meodecha. Alors, comme on a dit, Meodecha, c'est un amour qui dépasse les limites. C'est la différence
On avait déjà expliqué ça, c'est la différence entre Bechol Nafshecha, Chol Meodecha. Bechol Nafshecha, c'est un amour qui est lié avec notre âme, c'est-à-dire qu'on aime Dieu parce qu'il nous donne la vie, etc., etc. Par contre, Meodecha, c'est un amour qui dépasse même notre existence. Au contraire, on veut, c'est l'amour des tzaddikim. C'est que c'est pas notre existence qui est en nous, c'est Dieu lui-même. On veut s'attacher à Dieu. Il y a Dieu, que Dieu qui importe. C'est comme le Tanya dit, c'est comme un fils qui aime son père et sa mère plus que lui-même. Et il est prêt à donner sa vie pour son père et sa mère. D'accord? Donc, cet amour-là est le seul qui va pouvoir accéder, enfin, qui va attirer la lumière de Or Ein Sof. Kimvoa Mitzvarav, comme c'est expliqué, comme c'est expliqué à partir de ces paroles de façon claire. Les paroles du Balatien. Zéou, Machenit Baer Léael, Hot Yudalet. Et c'est ça qu'on a expliqué plus haut dans le 14e chapitre. Beferek, Beferacha Ishrota de Kriachma, Shi, que la preuve, vous rappelez, la première paracha de Kriachma correspondait au nom de Mav, Sheinana Biprinat Ahavazu. Et Mav, c'est Chesed, et c'est justement cet amour sans limite que l'on vient de que l'on vient d'évoquer. La sept Meakeli, donc c'est cet amour qui nous a tendance à nous faire sortir de notre enveloppe corporelle, chez Zéou, Prinat, Gvurot, Verishpehesh. Et ça, c'est ce qu'on appelle Gvurot et Verishpehesh. Donc, un amour très fort. Gvura, c'est la rigueur et c'est la force, la très grande force, qui est comme un feu brûlant. Mais il est à table, chez Zéouika, donc, maintenant, quelle est la raison pour laquelle c'est le principal de cette montée du niveau inférieur pour éveiller le niveau de Ein Sof, pourquoi on a besoin de ça? Ou Alderer Prinat Meodecha, que ce soit Dafka à un niveau de Meodecha, Yuvan Alpi Mashekatu Bemakomacher, va le comprendre par rapport à ce qui est écrit ailleurs, Beinyan Maim Nougvin ou Maim Trourin, par rapport à Maim Nougvin et Maim Trourin, donc les eaux féminines et les eaux masculines. Qu'est-ce que c'est que les eaux féminines et les eaux masculines? Les Chora, Tamoua, parce qu'a priori, il y a une question qui se pose. Echanivra, Amugbal, Yorer Beavato, Et Prinat Or Ein Sof, Abiltig Mugbal, Asher Ein Aroch Mamash. C'est une question, c'est un peu la même question qu'on avait posée précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début. Comment par des Yichudim, on va attirer Dieu lui-même qui est au-dessus de toutes les sphirotes. Ici, il repose la question d'une façon différente. Il dit qu'on a dit que Maïm Nougvin, quand il y a un amour très fort de Dieu, de la part des créatures, de la part des Juifs en particulier, ça va réveiller l'essence même de Dieu. Or, a priori, rien n'a d'importance devant Dieu. Donc, pourquoi un amour très fort de Dieu? Pardon. Un amour enflammé de Dieu va-t-il réveiller l'essence de Dieu qui transcende tout? Mais dites Bayersham, on a expliqué là-bas, chez Zev Goufa, chez Abaim Nourin, Yorer ou à l'idée, chez Kachala Birsono Akadum. Et on a expliqué là-bas qu'en fait, c'est vrai que nous sommes rien devant Dieu, mais le fait que les Ophéline puissent
réveiller les eaux masculines vient du fait que Dieu, dans sa volonté première, c'est-à-dire la volonté qui a précédé même la création du monde, Dehainu, chez Ayatechila, Achana Lazé Birsona Akodum, c'est-à-dire qu'il y avait une préparation pour ça dans sa volonté première, chez Yenimcha Midgale Ayate que cette lumière-là va être révélée par Itaota Diltata. Alors, c'est une réponse qui a priori pourrait s'appliquer à tout. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu l'a voulu. Il a voulu que c'est le réveil d'en bas qui provoque un réveil d'en haut. D'accord? Ou Mikol Makom. On va revenir là-dessus. Mikol Makom, ça Eliot, Aïtaouta Diltata, Mein Aïtaouta Dileila. Mais il faut que le réveil d'en bas ressemble au réveil d'en haut. Vimken Adaïn Kaché. Donc, si c'est ainsi, la question se pose toujours. Er Shayar Sheye Itaouta Diltata, Mein Itaouta Dileila. Comment est-il possible que les niveaux inférieurs puissent avoir un éveil qui ressemble à l'éveil de Dieu qui va en résulter. Puisque le réveil d'en haut, c'est quoi? Comme on a expliqué, c'est le fait d'amener l'illimité divin dans ce monde. Or, il n'y a rien qui peut se comparer à Dieu. Donc, comment on peut dire qu'il y a un réveil en bas qui ressemble au réveil en haut? Qu'est-ce qui peut ressembler à l'illimité divin? Devant tout, devant qui tout n'est rien du tout. On peut même pas dire que le monde est comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est encore moins que ça, comme on l'a dit dans le 12e chapitre. Vimken, er shayar klal, erer l'amshachat oro. Donc, la question se pose, comment on peut dire que nous appemenons la lumière illimitée de Dieu, alors que nous ne sommes complètement rien devant Dieu. On n'est même pas négligeable, on n'est rien. Achaïnian. Deina kavana shebehemet yesherech lahava imor amshacha sheminu yidbarer. En fait, cela ne signifie pas qu'en vérité, il y a une relation, une commune mesure entre l'amour de la créature et la lumière qui va provenir de Dieu. Et là, Aïnian met le sujet chez Yesh Tebrinot Ahava, Avot. C'est qu'il y a deux niveaux d'amour de Dieu. Un instant. J'ai un petit problème. Une seconde. Voilà. Et là, il y a un chiché pris note à vote. En fait, il y a deux niveaux d'amour de Dieu. Aïchad, Shiava, Mitiachevet, Belev, Shalev, Yachol, Yachil, Eto, Aava, Shechafet, Sekirvat, Elokim. Le premier niveau d'amour, c'est un amour qui est contenu dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire
qui est à la mesure des facultés de l'homme, que l'homme peut recevoir cette lumière d'amour qui va lui faire désirer de se rapprocher de Dieu. Vachenit, she'ahava hi betigboret gadol, d'ainu she'alidei itbonenu bizulot ein-sof baruch hu, bemahuto vatzfuto. Le deuxième amour est un amour très fort. C'est-à-dire, quand on va réfléchir à la grandeur de Dieu, à ce qu'il est et à son essence, des kula kame kela chashim mamash, et on va se rendre compte que tout n'est rien devant lui. Alors, quand on dit se rendre compte que tout n'est rien, je vous l'ai déjà expliqué, il y a écrit Tachlit HaYedia Shelo Nedaacha. Le paroxysme de la connaissance est de ne pas te connaître. C'est-à-dire que quand on va réfléchir à Dieu, plus on va réfléchir et plus on va s'apercevoir qu'il est encore plus haut que ce qu'on a imaginé jusqu'à présent. D'accord? Donc ça, c'est réfléchir au fait que tout et rien devant Dieu. Parce que se rendre compte, comprendre et saisir vraiment que tout n'est rien devant Dieu, c'est quelque chose qui est impossible. C'est l'annulation totale devant Dieu. D'accord? Impossible, c'est réservé aux très grands tzadikim, etc. Mais on peut réfléchir à cette chose-là et se rapprocher de cette notion. Peut se retransformer en insensible. Enfin, entre guillemets. Ve'er she'afilu prinat Adam Kadmon, ou kame kemo asiya gufanit. Et comment même le niveau de Adam Kadmon, dont on a déjà parlé, est devant lui comme ce monde matériel. Adam Kadmon, qui est la source première de toute la création. Qui ou il barère, mais Romain, Benisga, Bicol, Geder, Metsiout, Nessal, Onivra. Parce que lui est bien au-delà de toute limite d'existence, ou même de Nessal, ou de créature, etc. Donc quand on va réfléchir à ça, Titlaev et Titlaet, un Nefesh, Rabba. Alors l'âme va s'enflammer avec avec un grand amour, ce qu'on appelle un avarabon. Vatsuma est puissant. Atshahavazu, lotityachev belev klal. Au point que cet amour ne va pas pouvoir rester dans les limites de nos sentiments et de notre corps. Mais otsemahava, parce que du fait de sa puissance, avarabah, la puissance de ce grand amour, chez Rotsé Liparel Mehagouf, qui fait que l'homme va vouloir se séparer de son corps. C'est le principe de ce qu'on appelle Klot HaNefesh, qui est arrivé à Nadav Avihu. D'accord? C'est arrivé à une telle soif de Dieu que on ne supporte plus notre enveloppe corporelle, pardon. Iné Ahavazu ou Prinat Makif al-Kelialed. Donc ce niveau d'amour est un amour qui transcende même les limites corporelles de l'homme. D'accord? Dehainu, she'en kli alev yachol le'achil ahavazu. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas contenir un tel amour. Moi, she'nit ba'erksat, be'igaret ha'kodesh, et comme ça a été un petit peu expliqué dans Igaret ha'kodesh, al pasuk, ein Israël nigalim, sur le ma Israël Gnegalim la Bizdaka. Beinyan, Pnimiut Alev,
Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les sentiments le plus profond du cœur. Comme par exemple, dans ce monde, l'ifamim yashinyan gadol adam. Quelquefois, il y a un sujet qui est très important pour l'homme, parce que toute sa vie dépend de ça. Ah, nekudap dimi talem, jusque le plus profond de ce cœur, ve'ad bichlal, c'est-à-dire vraiment au niveau le plus profond. Les gormaremlo li famim la son maasim, ou l'daber diburim shelo bedat klal. Et ça peut provoquer quelquefois de faire des choses et de pas dire des choses qui dépassent son intellect. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui est, par exemple, dans le négatif, quelqu'un, là, allez, nous, qui est très déprimé parce qu'il y a quelque chose qui était très important pour lui et qu'il a perdu. D'accord? Et donc là, il peut arriver au pire parce que il ne peut plus supporter ce problème-là, il ne peut plus supporter ce sujet-là. D'accord? On reviendra, bon, il y en a une chose, mais je pense qu'on en reviendra par la suite. Et de la même façon de l'autre côté, c'est la même chose dans le service de Dieu par nos sentiments. Daïnou. Les filles chez Prinat Nekuda Pnimi Talev, il est malam minadat, puisque le point de la profondeur du cœur est plus haute que l'intellect, Amit Pachet ou Mit Labesh Bamidot, qui se répand et qui descend, qui s'investit dans les sentiments, roulés, Ayensham. Vous savez, c'est le fameux. C'est ce qui est expliqué dans le Mahamar de Bertili Gani. C'est le fameux sujet de Shtut Dikdusha, la folie dans la sainteté. C'est-à-dire que il faut arriver à être, entre guillemets, fou de Dieu. C'est-à-dire l'aimer au-dessus même de l'intellect. C'est comme par exemple, comme on a donné l'exemple, un enfant qui voit ses parents en danger va donner sa vie pour eux, alors que logiquement, il ne devrait pas. Et pour lui-même, et même pour ses parents. Mais il est prêt à le faire parce que il ne peut pas supporter de voir ses parents mourir. D'accord? Et donc, c'est pour ça que cet amour est bien plus haut que les forces intellectuelles. Alors que le premier amour est un produit de l'intellect. C'est-à-dire, comme on a expliqué, quand quelqu'un réfléchit au fait que Dieu est à la source de sa vie et qu'il le fait vivre, qu'il subvient à ses besoins, etc. Cette démarche intellectuelle va engendrer un sentiment de reconnaissance qui va se transformer en un amour pour lui. Mais là, il s'agit d'un amour qui n'est pas logique, mais au-dessus de l'intellect. Venimsa, avazu, iprinat makif, ulmala meagbalat amidot. Donc il en résulte que cet amour est à un niveau transcendant, plus haut que les limites des sentiments chez Balay. Daïnou, Shen, Kelialev, Yachol, Leachilo. C'est-à-dire que la chair de l'homme n'est pas capable de le contenir. D'accord? Vezeu Nikra, Anikra, Ahava, Bechol, Meodera. Et c'est ça que l'on appelle l'amour de Bechol Meodera, de tout ton Méode,
Et donc, que veut dire Méhot? Pirouche, Bligvoul. Ça signifie sans limite. Comme je vous ai déjà expliqué un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, très est un superlatif. Et quand on dit très grand, il n'y a pas de limite. D'accord? Quand on dit plus grand que, il y a une limite, on compare à quelque chose d'autre. Mais quand on dit très grand, ça peut être aussi grand qu'on veut. C'est ça qu'il dit ici. Méode, c'est une notion d'illimité. D'accord? Très, on ne sait pas ce que c'est très. On ne sait pas où ça s'arrête. Quand on dit d'un homme qui est très grand, est-ce qu'il fait 1 m 80 ou il est comme un Ogmeler Habashan? Il est très. D'accord? Dehaïnu, She'ein Ahava, Nigbelet, Birli, Alev. C'est-à-dire pourquoi on appelle ça très méode, parce que l'amour, justement, n'est pas du tout limité. C'est un très grand amour. Veloshi Bligvul, il dit, mais ça ne veut pas dire qu'elle est vraiment sans limite. D'Adraba. Parce qu'au contraire, les Gabé, Adam, Sadik, Vechassi, Vechacham, Yotermine, Menou, Tia, Vakazou, Etzlo, il dit parce que, en fait, par rapport à un homme qui est sadique, qui est chassid, qui a une sagesse plus grande que lui, cet amour-là sera un amour normal pour lui, qui pourra rentrer dans sa forme matérielle. Pourquoi? Chez Yoter, parce qu'il a des forces, il a un niveau plus large que le niveau de l'autre. Ou Prinan Meodecha chez l'eau, et le niveau de Meodecha qui est à lui est à un niveau plus grand. C'est pour ça que Meodecha, c'est au singulier. Parce que chacun a un niveau d'illimité pour lui. D'accord? Les gammes, ils mougbelet, les gavets, béamavat, amalachim, unchamot, mais le malach, poulet. Et elle aussi est limitée par rapport aux anges et aux âmes, etc. Donc l'amour peut être très grand, mais jamais sans limite. Et la limite de l'amour dépend chacun de chacun. Chacun a une limite de son amour liée à son être. Et il a aussi une limite de l'amour qui transcende son être. Ulficha nikra meodecha. C'est pour ça que c'est appelé meodecha, comme on vient de le dire. Meod shelcha. Ton trait, pas le trait absolu, mais ton trait. Chez slecha ou bligvul, dainu lemaala beagvul shelou. Chez toi, c'est sans limite. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de ta limite. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans le deuxième paragraphe du schéma, on dit Bechol Vafrem ou Frol Nafshechem. Mais pas Bechol Meodechem. Parce que le Méod est quelque chose de personnel. Mikol Makom. Oui, il veille les Mahalas chez nous. Mais malgré cela, bien que, du fait qu'elle soit au-dessus de sa limite, Arzé, Prinat, Alat, Maïm, Mugvin, le horaire, Prinat, Ensof, Shiou, Abligvul, Behemet. Alors, c'est le niveau de Alat, Maïm, Mugvin. C'est donc ce niveau de montée des eaux féminines au-dessus de leurs limites
qui va réveiller le niveau du Ein Sof qui est vraiment sans limite. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on a dit que la montée le réveil d'en bas, ressemble au réveil d'en haut. C'est-à-dire, c'est aussi quelque chose qui est sans limite, mais c'est un sans limite relatif. Mais ce sans limite relatif de l'homme est capable de réveiller le vrai sans limite de Dieu. Bezeu shamarnu, shaitaruta diltata, i me'ein itaruta dilila, comme je viens de le dire. Lo sheyesh erer beinem, quand on dit qu'elle ressemble à l'amour du haut, d'en haut, ça veut, là, au réveil d'en haut, pardon, ça ne veut pas dire qu'ils sont, ils ont une commune mesure. Chas v'shalom. Parce que jamais le sentiment d'un homme ne peut atteindre l'illimité divin. Sha'arei ein aroch afilu ben ahavat Avraham, o Michael kahana rava, legabe ahava v'chesed de'atzilut. Parce que il n'y a aucune commune mesure entre l'amour d'Abraham, qui est appelé par Dieu au avis, celui qui m'aime, d'accord? Comme je vous ai déjà dit, le Midrash dit que la Bidat, le Sefer HaBaye, pardon, dit que la Bidat a Chesed, l'attribut de bonté de Dieu, a dit que tant qu'Abraham était vivant, il n'avait rien à faire. Abraham se substituait à la bonté divine dans son monde. Donc, c'est un amour très grand. Ou encore plus, l'amour de Malach Milachael est appelé le grand serviteur de Dieu, Kahana Rabba. Tous ces amours-là n'ont aucune commune mesure avec l'amour et la bonté d'Atsilut. Ve'en tsarich lomar legabe or ein sof baruch hu kule, et à plus forte raison par rapport au or ein sof, à l'illimité divin. Vous savez, il y a un mamar dans le Tanya, enfin dans la Yiret HaKodesh, qui dit que c'est pour ça qu'Avraham Avinu a dit à Dieu, Vanochi, Afar va faire. Le Baal HaTanya, il rappelle, il dit qu'il a entendu de son maître, le Maguide de Mizrich, que pourquoi Avraham Avigdon a dit que il était poussière et cendre, parce que bien que l'amour d'Avraham Avigdon était très grand envers Dieu, et par rapport à Dieu lui-même, il était comme de la cendre. Là-bas, il explique, bon, on a déjà parlé de ça. Là-bas, il explique que la cendre, c'est ce qui reste d'un objet lorsque un objet est composé de quatre éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre, l'eau, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc, quand un objet brûle, il y a trois éléments qui sont bons, il ne reste plus que la terre. Et la cendre d'un objet ne ressemble pas du tout à l'objet lui-même. On ne peut pas reconnaître un objet à partir de sa cendre. Donc c'est pour ça que Avraham a dit qu'il était comme de la cendre. Parce que même son amour était insignifiant par rapport à Dieu et par rapport à l'amour de Dieu, à la chesed de Dieu. D'accord? Et là, Shenikra. Mais même si il est encore limité, il s'appelle quelque chose qui ressemble au réveil d'en haut. Parce que il est limité, il est illimité par rapport à l'homme. Oh, il veille les ma'alam et akvul shel Adam, parce qu'il est au-dessus de la limite de l'homme. Venikra me'odecha, c'est pour ça qu'il est appelé Dieu. Vélachem, Zéou Amaïm Nouvin, le horaire, Réhinat, Ensof.
Et donc ça c'est ce qu'on appelle les eaux féminines, capables de réveiller le niveau de l'illimité divin. Bien que l'illimité divin n'a aucun rapport avec l'homme. On a déjà expliqué que, en fait, ce processus a été voulu par Dieu déjà à la création du monde. Donc, le processus lui-même vient d'un niveau irrationnel, mais c'est-à-dire que ce processus puisse se passer est quelque chose d'irrationnel. Mais pourquoi Dafka, le niveau de Itaota Diltata doit ressembler au niveau de Ota Dilila? Ça, c'est quelque chose de logique. Parce qu'on demande quelque chose d'illimité par rapport à pour réveiller l'illimité. Même si c'est un illimité relatif, pour réveiller l'illimité absolue, il faut que cet illimité relatif. D'accord? Vous voyez, il y a deux niveaux. Il y a la volonté que cela se passe, mais le processus a une raison. OK. La reine, oui, je veux que c'est pour cela, puisque dans le schéma, on est là pour amener une lumière de la source de toute chose. Les chars, ça a l'air bibrina. C'est pour ça qu'il faut faire monter un sentiment d'amour de ce niveau, un réveil d'en bas de ce niveau. Zéouinian, l'imsor nafsho becha. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que quand on dit Hachem Elokeinu Hachem Echad, il faut être prêt à donner son âme pour Dieu. D'accord? C'est-à-dire savoir que on veut monter au niveau de l'unité de Dieu, au niveau où Dieu est seul. D'accord? Au niveau de Dieu lui-même. Oui. Ce niveau de Bechol, c'est le nom de Mav, comme on a expliqué longuement précédemment. Ahara, Mimako Arishon, Mehor. Et c'est pour cela que on arrive à réveiller, à faire descendre cette lumière à partir de sa source première, à partir de l'illimité, la lumière sans limite, vraiment, enfin de l'illimité divin, vraiment. Biprinat Olamot Ainsof, dans les mondes du Yensof, chez les Malam et Hatsilut, qui sont plus hauts qu'Hatsilut, les Sham, Einanur, Shaïm, les Daber, Bifratut. Et il dit, on n'a pas le droit de parler de ces mondes qui sont au-dessus d'Hatsilut dans les détails. C'est quelque chose qui est trop haut, donc on ne peut pas en parler. Erhuma, ni comment, ni ce qu'ils sont. Ou Inyan Amshachazu, et ça, c'est cette lumière qui descend. Mais lorsqu'elle arrive au niveau du monde d'Atsilut, c'est ce que l'on appelle l'unification du Père et de la Mère, c'est-à-dire de Chochma et Bina, qui a Gilouï Arishon ou Bechochma, parce que la première révélation se trouve dans Chochma, comme on a expliqué précédemment. Et dans Chochma, il est encore caché parce que, comme on avait dit,
que Chochma n'avait pas d'existence propre, et c'est pour ça que le Or Ein-Sof pouvait se révéler là-bas, enfin pouvait entrer là-bas. Il était là-bas, il n'est pas encore révélé. Et par le Yichud, il est redescendant Bina, chez Bitreprina qui lui se révèle, mais Zéhu Avaye et c'est ça que veut dire Hachem Elokenu, Hachem chez Chochma, Elokenu c'est Bina. Et nous, chez là, nous, notre Dieu, c'est-à-dire notre Dieu, Mamash, c'est-à-dire que ça peut descendre jusqu'à nous. Mitsa, Shimi Bina, ou Prinat Agilu, Yichud. Parce qu'à partir de Bina, c'est le niveau de Giloui, la révélation véritablement. Voilà. Donc ça, c'est le sujet de Kretschmann. Alors, la question qui reste posée, c'est que cet amour reste quand même au-dessus de nos moyens. Mais il vient d'expliquer, c'est Bechol Meodecha. Chacun doit arriver un sentiment qui dépasse sa propre limite. Et c'est ça ce qu'on appelle la avoda tatfila, le travail de la tfila, c'est véritablement un travail pour arriver à quelque chose qui ressemble à cela. Bon, ben alors je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, mes attachés. Oui, a priori dans 2 semaines. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Shavuot Tov. Shabbat Chazak.